parle plus de nous. On parle plus de vous. Mais c'est normal, parce qu'ils veulent absolument faire taire ce mouvement. Parce que ce mouvement va au-delà du pouvoir d'achat. C'est un mouvement humanité. C'est l'humanité qui se bat pour sa vraie liberté. Regardez, on nous parle de démocratie. Quand on ne prononce pas et qu'on ne parle pas d'une chose, eh ben ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de quelque chose, c'est que ça existe. Si on parle de rien, c'est que ça n'existe pas. Pour eux, on n'existe pas. Parce qu'ils savent très bien qu'on n'arrachera rien. A été détourné, le peuple a été détourné du vrai pouvoir. Aujourd'hui, en vérité, c'est la finalité de ce qui aurait dû être mis en place en 1789. D'accord? C'est ça, le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour la justice, la vraie justice. Moi, je dirais encore mieux. On nous a toujours vendu liberté, égalité, fraternité. Mais c'est une blague. Ça, c'est pour nous maintenir en laisse. Moi, personnellement, ma devise, c'est vérité, dignité, équité. Oui, on parle plus de nous, c'est vrai. Toutes les chaînes d'intox qu'on dit merdia, et le truc, c'est qu'en fait, donc, leur truc, c'est de dire, on communique pas sur un mouvement qui existe toujours, qui est toujours fort. Et en ne communiquant pas, les gens qui ne sont pas dans le mouvement, qui écoutent tous ces médias qui sont donc des collabos, évidemment, ils vont se dire, il n'y a plus personne, alors qu'on est toujours là. Et de toute façon, heureusement qu'il y a Internet. Il essaye de nous vendre un système qui est à bout, quoi, en fait. Tout le monde aujourd'hui est au courant des problèmes liés à l'écologie à travers des accords commerciaux, d'échange, soi-disant de libre-échange entre les pays, qui ne font que répondre en fait aux besoins des gros industriels, des gros systèmes de production. Vous êtes un rappeur? Voilà 50 Cent. Voilà, vous avez vous avec vous 50 Cent. Là. Vive la France! Ils sont vraiment à cap, les flics? Ou c'est juste une partie, ou c'est juste un... C'est tout bien à cap, là. Ouais, c'est plus un peu castaner qu'il faut attaquer, non? C'est un castaner qu'il faut attaquer. Ouais, bah c'est pareil, c'est la même. Hein. Ouais, c'est le système. Ils peuvent basculer de l'autre côté s'ils le veulent, hein. Ils basculent de l'autre côté. Hein. Voilà, donc on est d'accord qu'il exécute les ordres, c'est tout. Ils ont les ordres, Macron ne pourrait pas le faire. Macron dégage. Dis-moi, pourquoi tu dis la France est libre? Pourquoi la France n'est pas libre? On voit bien l'oppression. Vous avez déjà vu des manifestations comme ça cerclées? Ça, c'est 2019. Ça, c'est 2019. Ça, ils veulent une masse de gens qui travaillent pour pas cher. Et c'est tout. C'est la seule perspective qui nous réserve par le biais de l'Europe et puis par le biais du mondialisme capitaliste. La Amazonie, la brûle, pour faire quoi? Comme ça, ils vont dégager du terrain. Ils vont dégager du terrain pour produire de la nourriture pour les travailleurs pauvres qu'il est en train de créer ici. Là, il crée une classe de travailleurs pauvres, des salaires à 850 euros, puisqu'ils nous ont déjà affiché le SMIC européen. Ils l'ont déjà. Comment se nourrir avec ça? Le Mercosur, il va servir à nourrir les travailleurs pauvres qu'il est en train de créer ici. Macron, il dit qu'ils sont en train de s'insulter avec Bolsonaro. Non, c'est pas vrai, c'est un menteur. Il a besoin qu'il crame l'Amazonie, parce qu'il va avoir des travailleurs pauvres qu'il est en train de créer. Il va falloir qu'il crée de la nourriture pas chère pour nourrir ses salariés-là. Donc, il est obligé. Quand il dit il faut arrêter le feu, c'est l'inverse. Mais c'est pas vrai, c'est du double langage. Il est obligé de brûler, parce qu'il n'a pas... S'il ne fait pas baisser le prix de la nourriture en France ou en Europe, il ne pourra pas nourrir la classe de travailleurs pauvres qu'il est en train de créer. Qui c'est qui va en profiter comme d'habitude? Les Allemands. Là, on a 10 personnes qui sont, qui est un petit peu missionnées pour surveiller et protéger les gens. Attention à nous. Voilà, PMR. PMR, hein. Oui, mort de rire, ça veut dire. Non, c'est une blague. Personne à mobilité réduite. Ah oui, d'accord. Ouais, bénévole, comme monsieur, comme tout, pour le mouvement. Voilà, c'est pour notre avenir qu'on joue, là. En plus, elle est prête à recevoir un flashball à la place de Lucien. Tout à fait, on a Lucien là, le cerveau de la bombe, il est là. Si quelqu'un, un de ces bleus de merde qui veulent le viser avec un flashball, en protégeant les yeux, la tête, je me mettrai devant pour le protéger. Oui. Ça vient du cœur là ou tu racontes des blagues? Bah, ça vient, c'est vraiment sincère par contre. Ah, je sais, ça doit te faire plaisir ça. Ah oui, c'est un ambulancier quand même. Hein. Je suis un peu taré sur les bords, mais je ne laisserai pas se faire tirer dessus. Et c'est quelqu'un qui est dans le monde de la santé, c'est un ambulancier quand même. Ambulancier, l'empire de la force, l'empire de l'oligarchie, du
peuple qui se déchire, la classe moyenne.